Alors aujourd'hui, on présente un tout nouveau produit, le RT10 de chez Dairy Quality, qui est un compteur de cellules dans un échantillon de lait. Donc, simplicité d'utilisation pour l'appareil, l'éleveur prélève son échantillon de lait, vient pipeter dans la cassette, donc prendre un échantillon d'une partie de ce lait. Une fois que l'échantillon est prélevé, on insère la cassette dans l'appareil et on va pouvoir lancer l'analyse. Donc, l'application se situe dans un iPod. On va pouvoir lancer le test rapide. Et en moins d'une minute, l'appareil va nous indiquer le résultat accompagné d'une photo. Et voilà le résultat. Alors, l'intérêt pour l'éleveur, c'est de pouvoir détecter une mammite ou éventuellement juste un quartier problématique sur un animal. Alors une fois que l'éleveur a détecté l'éventuel problème sur un animal, cela lui permet soit de traiter l'animal, mais déjà dans un premier temps, d'écarter le lait du tank. Et risque pour l'éleveur, s'il y a un taux de cellules important, c'est une pénalité auprès de la laiterie. Alors l'avantage pour l'éleveur, c'est de pouvoir être autonome et très réactif par rapport à un éventuel problème qu'il pourrait détecter sur un animal. Alors cela permettra à l'éleveur de pouvoir écarter du tank le lait à problème et dans un deuxième temps éventuellement de traiter l'animal. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'on peut tester l'animal quartier par quartier et éventuellement de ne traiter qu'un seul quartier problématique. Avant, l'éleveur était obligé d'attendre les résultats de sa laiterie, mais à ce moment-là, il n'avait qu'un échantillon de tank qui ne pouvait pas descendre à l'animal incriminé. Ou alors il devait faire appel à nos services, le contrôle de performance, la collecte de données, qui pouvait, avec lequel il pouvait avoir l'analyse de l'ensemble de ces animaux. L'objectif économique, c'est de pouvoir tester un seul animal, donc ça coûte moins cher que le contrôle de performance classique. Ça permet aussi d'écarter le lait du tank et d'éviter la pénalité à l'éleveur. Alors nous espérons bien que l'éleveur fasse des gains avec ce produit, notamment des gains en réactivité, en autonomie. Chaque éleveur a envie de simplicité et de rapidité dans ses résultats, puisque au cours de la traite, le lait va directement dans le tank, c'est donc dès la traite qu'il faut pouvoir identifier un problème. Alors aujourd'hui, c'est un appareil qui est utilisé États-Unis et Canada depuis plusieurs années. La perception est bonne en termes de réactivité et de pouvoir traiter, dans le cadre de protocoles d'élevage propres à chaque élevage, de pouvoir traiter et d'écarter les animaux à problème. Ce produit vise aussi au plan éco-antibio, qui est un plan qui prévoit la diminution de l'utilisation de produits antibiotiques dans les élevages.